أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله nous remercions Allah, nous le glorifions, nous le magnifions, nous l'exaltons. Allah, le maître du temps et des circonstances, nous le disons merci de nous avoir accordé ce mois béni de Ramadan. Nous l'implorons afin de pouvoir le terminer dans la paix, dans la santé, dans la soumission, dans l'adoration et surtout dans le pardon divin. Et nous l'implorons également afin qu'il nous accorde beaucoup d'autres mois de Ramadan, Inch'Allah, dans nos vies. Nous l'implorons également afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les membres de sa famille. Jumma Mubarak à tous, qu'Allah accepte nos actes d'adoration. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en Islam, nous allons continuer, Inch'Allah, avec la suite de notre séance d'exégèse des versets du Coran. Nous sommes toujours sur la sourate Ala Imran, la famille d'Imran. Inch'Allah. A'ouzou billahi minashaitan rajim. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre la tentation du diable banni, le diable rejeté et lapidé, le maudit. Bismillahi rahman rahim. De par le nom d'Allah, nous commençons ici l'exégèse des versets du Saint-Coran. Allah le tout miséricordieux, le très compatissant. Comme on le disait la dernière fois, nous étions au niveau du verset 37 de la sourate Ala Imran, où Allah disait فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Et Allah a reçu la petite Myriam qui lui a été donc voué par sa mère Anna qui dit: Allah, je te voue ce qui est en mon sein, le bébé qui est en moi, alors daigne donc l'accepter s'il te plaît. Elle a demandé à Allah d'accepter l'enfant qu'elle portait parce qu'elle avait promis après la naissance de consacrer cette fille rien que pour l'œuvre de Dieu. L'enfant devait servir que Dieu dans le temple. Et quand elle a accouché, elle a trouvé que c'était une fille. Et elle a dit, la fille n'est pas comme le garçon. Et je l'ai appelée Mariam. Donc, cette fille-là, elle a fait des bénédictions à l'endroit de sa fille en implorant Allah afin que Allah puisse donc non seulement accepter l'enfant, et elle a placé l'enfant sous la garde d'Allah, elle-même et aussi sa descendance. Et Allah qui va dire فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ الْحَسَنِ. Allah a accepté donc son don. Allah l'a exaucé de la meilleure des manières. وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Et Allah a assuré une croissance heureuse, une très bonne et belle croissance donc à Sayyidat Maryam. Et وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا. Et il a donc confié la garde de Mariam à Zacharie. Donc la garde de Mariam a été confiée au prophète Zacharie, qui était le père de Sayyidina Yahya, appelé Jean-Baptiste. Donc on a détaillé tout ça la dernière fois. C'est juste le résumé pour qu'on puisse avancer. Et Allah dit كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِهِرَابِ. Et dès chaque fois que Zacharie rentrait donc dans le temple,
وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. Il trouvait autour de Mariam toutes sortes de nourriture, hein? Toutes sortes de nourriture, toutes sortes de fruits, etc. etc. قَالَ, il posait la question, يَا مَرْيَمْ, il dit, oh Mariam, أَنَّ لَكِ هَذَا. Alors qui t'a accordé tout ceci? Qui t'a donné tout ça? Toutes ces nourritures-là? D'où te viennent toutes ces choses-là? قَالَتْ, elle répond, هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, tout ceci vient d'auprès de mon Seigneur, auprès d'Allah. Inna Allah, et certes Allah, yarzuqu man yasha'u. Allah, il distribue donc de ses biens. Il distribue ses biens à qui il veut. Il donne de sa subsistance à qui il veut. Il fait largesse à qui il veut parmi ses créatures. Bighayri hisab, sans compter. Donc c'est Allah qui donne ce qu'il veut à qui il veut, comme il veut, sans compter. En toutes circonstances. Donc voici comment Sayyidat Mariam a répondu à Zakaria. Donc Zakaria était très âgé, sa femme également très très âgée. Ils avaient déjà dépassé l'âge, sa femme avait dépassé la ménopause depuis très longtemps. Donc concevoir un enfant n'était plus pour lui quelque chose d'envisageable. Donc pour lui, avec sa femme, avec l'âge qu'ils ont, c'était vraiment impossible pour eux d'avoir un enfant. Mais quand il a vu ce miracle de Mariam, Sayyidat Mariam, donc déjà lui, il n'y a rien à manger, et comme il était le responsable de Sayyidat Mariam, c'est lui qui était chargé donc de la garde de Mariam, il partait donc en brousse, il se promenait donc pour chercher des fruits, de la nourriture venue donner à Mariam, et il passait souvent toute la journée sans rien avoir. Donc quand il revenait les mains vides, il se posait la question, mais qu'est-ce qu'elle mangerait aujourd'hui? J'ai pas pu avoir quelque chose pour elle. Et quand il rentrait dans le temple, il trouvait qu'autour de Marie avait toutes sortes de nourriture. Il est étonné, il pose la question, mais qui t'a offert tout ceci là? Elle répond, cela vient de mon Seigneur. Et c'est lui qui donne ce qu'il veut à qui il veut. Vous voyez? Et le micro est déchargé. Hein? Malheureusement, on va essayer de faire, voilà, donc je pense que le son est bon maintenant. Donc c'est ainsi que Zakaria, lui maintenant, il va se poser la question, ben, si Allah est capable de faire ce miracle, alors c'est qu'il peut lui donner aussi un enfant malgré son âge et l'âge de son épouse. Donc automatiquement, Zakaria n'a plus désespéré en la miséricorde de son Seigneur à travers ce miracle de Mariam. Venez trouver toutes sortes de nourriture autour de Mariam sans que quelqu'un ne lui ait offert cela. Donc naturellement, Zakaria, il va avoir la foi, Sayyidina Zakaria, donc alayhi salam, il va avoir la foi, il va espérer donc avoir la miséricorde et la grâce de son Seigneur aussi. Ben lui aussi, son besoin, c'était lequel? C'était d'avoir un enfant, un héritier bien sûr. Et donc, il va aller au verset 38 maintenant. Le Coran va nous dire, « Hunalika da'a Zakaria Rabbah. » Donc, c'est ainsi que Zakaria maintenant, alayhi salam, il va implorer son Seigneur. Donc, il va commencer à invoquer son Seigneur. « Qala » il va dire, « Rabbi, oh mon Seigneur, habli min ladunka zuriyatan toyiba. » Donc, il va donc implorer son Seigneur en lui disant, je veux, ô Seigneur, que tu me donnes une postérité vertueuse. Zuriyatan toyiba. Il précise, c'est pourquoi je vous le disais, quand tu implores Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut préciser avec exactitude ce que tu veux. Et surtout, il faudrait que dans ton invocation, on puisse y avoir la piété, la soumission, la droiture et tout ce qui donc va dans le sens de la bonne moralité. Voilà. Tu ne peux pas venir demander de n'importe quoi à Dieu. Donc, il demande ici une descendance, mais il précise « Toyiba ». Donc, une descendance pieuse. C'est ce qu'il demande à Allah. Donc, Zakaria, et il va dire « Innaka sami'u du'a ». C'est toi, certes, qui exauce les prières. C'est toi qui entends celui qui t'invoque. Tu entends les prières, les invocations, et c'est toi qui les exauces. Donc, « Fanadatuhu al-mala'ikatu ». Et c'est ainsi que maintenant les anges vont interpeller Zakaria. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِهْرَابِ. Donc, en ce moment, Zakaria,
Il était arrêté donc en train d'implorer l'Éternel. Il était encore donc dans le temple. Il était en train d'implorer Dieu. Il était en train de faire les doigts. Et c'est ainsi que les anges vont l'interpeller pendant qu'il était debout dans le sanctuaire, en train d'interpeller l'Éternel, en train d'invoquer l'Éternel. Donc les anges l'appellent. Oh Zacharia, Annallaha yubashiruka bi Yahya. Et ils vont lui dire, certes, Allah, de par nous, t'apporte la bonne nouvelle de Yahya, que vous appelez Jean-Baptiste. Donc, Allah, de par nous, t'apporte la bonne nouvelle de Yahya, donc d'un fils. Et les anges ici même lui donnent déjà le nom de l'enfant. Il faut dire que ça fait partie donc des grâces que c'est Allah Ta'ala a accordé à Sayyidina Yahya, alayhi salam, qui était aussi un prophète. Donc, le fait d'être baptisé par l'Éternel lui-même. Quand je parle de baptisé ici, je parle de son nom de naissance, son nom de baptême. Parce que quand un enfant naît à partir du septième jour, voilà, on fait un baptême et lors du baptême, on lui donne un nom, etc., etc. Donc ici, le nom de Sayyidina Yahya a été donné par l'Éternel Allah lui-même. Et ça, c'est une grâce qu'Allah a faite à Sayyidina Yahya. Allah lui a donné donc son nom. Ce nom n'est pas venu ni de son père ni de sa mère, mais d'Allah lui-même qui a donné son nom avant même sa naissance aux anges. Et le nom Yahya, ça parle du vivant. Et quand on parle du vivant, ça ne veut pas dire que les autres étaient morts. Mais le vivant ici symbolise la croyance. Parce que le croyant, c'est celui qui est vivant. Et le mort, c'est le mécréant. Ça symbolise le mécréant dans certaines circonstances. Comme je vous le disais dans le verset précédent où Allah dit. Donc c'est Allah qui sort le vivant du mort et qui sort le mort du vivant. Et donc c'est ainsi que je vous ai donné ici l'exemple du fait que Sayyidina Ibrahim, comme ça, qui était un croyant, qui était un prophète, un ami d'Allah, qui était vivant, mais qui est sorti d'un mort parce que son père Hazar était un mécréant. Donc Allah il fait sortir le vivant du mort dans le sens où il fait sortir le croyant, donc du mécréant. Et c'est ainsi qu'il fait sortir aussi. Donc, le mécréant, donc du croyant, donc il fait sortir le mort du vivant. N'est-ce pas? Et comme on a vu l'exemple avec le fils de Sayyidina Nuh alayhi salam, qui était mécréant, donc qui était un koufar, donc qui symbolisait la mort, donc qui est sorti du vivant qui était son père Sayyidina Nuh alayhi salam. Donc, ici, Yahya, donc ce serait le symbolisme de la croyance. Ce serait un enfant vivant, un enfant adorateur de son Seigneur, un enfant soumis à la volonté d'Allah. Donc, Moussa Dikan. Il sera confirmateur donc de la vérité, il sera défenseur de la vérité, il sera véridique lui-même. Bekelimatin min Allah, et il sera confirmateur d'une parole émanant d'Allah. Il sera soutien d'une parole émanant d'Allah, il sera confirmateur d'une parole émanant d'Allah. Cette parole n'est rien d'autre que Sayyidina Isa alayhi salam, qu'on va voir bientôt donc dans les versets suivants. Donc il va confirmer cette parole venant d'Allah. Et le prophète qui a vécu au temps de Sayyidina Isa alayhi salam, c'est bel et bien Sayyidina Yahya. Et c'est lui qui a confirmé la prophétie de Sayyidina Isa alayhi salam devant les enfants d'Israël. Wa Sayyidan, et il sera un dirigeant juste. Donc, wa Sayyidan, il sera un bon chef. Il sera un chef juste, équitable. Hein, en toute justice, il sera doté d'une bonne moralité, un bon guide, un bon leader. Donc, wa Sayyidan. Et il continue pas là, et il s'arrête pas là, il dit Wahasuran. Et il sera celui qui restera chaste. Il restera chaste. Donc il ne commettra point la fornication, excusez, ni l'adultère. Il ne commettra point la fornication ni l'adultère. Wahasuran, il restera chaste. Wanabiyan. Et il sera encore un prophète minasolihin. Parmi les justes. Donc il sera un prophète parmi les justes, mina salihin, parmi les pieux, parmi les justes, parmi les bons. Donc Allah il donne, c'est-à-dire que la bonne nouvelle de l'obtention de ce fils-là à Zacharia. Et en même temps, il donne les critères qui vont accompagner l'enfant. Pourquoi? Parce que Zacharia alayhi salam a demandé une descendance, mais pas n'importe laquelle. Il a dit Zuriyatan Toyiba. Une descendance pieuse. Donc il a demandé une descendance pieuse. Et Allah maintenant, il va répondre à Zacharie à travers les anges qui l'interpellaient quand il était encore debout dans le sanctuaire, en lui disant, nous t'apportons la bonne nouvelle de Jean, donc de Yahya,
qui sera un enfant vivant, donc un croyant soumis. Et il ne s'arrête pas là. Et continue, Moussot Dikambi Kalimati Minallah. Parole émanant d'Allah. Seyidan, il sera un chef juste, équitable, donc un bon leader. Wahasuran, il ne commettra point l'adultère ni la fornication. Wanabiyan, il sera un prophète minasolihin, du nombre des justes. N'est-ce pas? Donc cela, tous ces passages nous interpellent. Allah ne les met pas dans le Coran comme ça, pour qu'on les écoute comme ça. Ça nous interpelle pour nous demander de prendre conscience et nous dire de ne pas désespérer en la miséricorde de notre Seigneur. Waman yaknut mi rahmati rabbika illa dolin. Qui, excepté l'égaré, ne désespère. Qui va désespérer en la miséricorde d'Allah, excepté l'égaré? Un bon croyant guidé qui est sur la guidance ne pourra jamais désespérer en la miséricorde de son Seigneur. Rien ne lui est impossible. Tout est possible. Pourquoi nous désespérons la miséricorde d'Allah? Zacharie avait dépassé l'âge pour lui de concevoir un enfant. Sa femme avait dépassé la ménopause depuis longtemps. Mais quand il a vu le miracle qui s'est opéré autour de Sayyidatou Mariam dans la mosquée, quand il est rentré et trouvé autour de Sayyidatou Mariam dans le temple, que toutes sortes de nourriture étaient autour d'elle, et c'est pas où s'est quitté, qui est venu déposer là. Mais c'est Allah qui a dépêché les anges du paradis à opérer ce miracle autour de Mariam. Elle mangeait bien, elle se nourrissait bien. Allah il dit wa ambatana nabatan hasana. Hein? Allah il a bien élevé Sayyidatou Mariam. Donc elle a eu une belle croissance. Elle s'est bien nourrie avec pas n'importe quelle nourriture. Hein? Les nourritures pleines de vitamines, tout ça, les nourritures du paradis, des fruits du paradis, etc. Donc, quand Zacharie a vu ce miracle, il a posé la question à Mariam, « Annalaki Haza, qui t'a offert tout ceci ?» Elle a répondu, « Haza min indi Rabbi. » Tout ceci vient du près de mon Seigneur, « min indi Allah. » Tout ceci vient d'auprès d'Allah, de mon Seigneur. Donc, du coup, Zacharie a compris. Il a compris que si Allah a opéré ce miracle, mais attends, Allah il peut tout faire. Alors pourquoi ne pas soumettre lui aussi sa demande à Allah? Et automatiquement, il s'est rendu compte que quand même que sa femme a dépassé la ménopause, c'est Allah qui peut lui accorder, parce que rien ne lui est impossible, un enfant. Donc voici comment Zacharie va aller se mettre dans le sanctuaire et commencer à implorer Allah. Et dès qu'il a imploré Allah, quand il a eu confiance en Allah, par rapport au miracle de Mariam qu'il a vu, quand il a eu confiance à son Seigneur et qu'il lui a confié, donc il lui a imploré, en le confiant en son souci, Allah il va l'exaucer automatiquement. Allah va faire descendre les anges qui vont l'interpeller et lui apporter la bonne nouvelle maintenant, donc de Sayyidina Yahya alayhi salam. Pour te dire, mon frère, ma soeur, ne désespère pas en la miséricorde d'Allah. Implore Allah, surtout dans ces 10 derniers jours de Ramadan encore. Je vous ai dit la dernière fois, chaque jour nous ne faisons que prier, nous ne faisons que faire des doigts. Alors qu'Allah nous donne beaucoup d'années, qu'Allah nous donne beaucoup de mois de Ramadan, oui. Mais mon frère, ma soeur, l'année qui passée, on a fait cette doigt. Allah nous a accordé le mois de Ramadan de l'année passée. L'année passée, on a fait cette doigt. Allah nous a accordé le mois de Ramadan de cette année. Mon frère, il va arriver une année où Allah ne t'accordera pas le mois de Ramadan suivant. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ton dernier mois de Ramadan qui est là? Tu penses qu'Allah va continuer à t'accorder comme ça chaque année? Il va arriver une année où tu vas vivre ton dernier mois de Ramadan, que tu veilles ou pas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tout finira. Tout ce qui existe va s'arrêter. Tout ce qui tourne va s'arrêter un jour, mon frère. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas notre dernier mois de Ramadan qui est là? Ne désespère pas en la miséricorde de ton Seigneur. Repens-toi de tous tes péchés que tu as commis. Ne te dis pas que oh, j'ai commis trop de péchés, est-ce qu'Allah peut me pardonner encore? Tel que Zacharie qui pensait qu'Allah ne peut plus lui donner un enfant à travers sa femme qui a dépassé la ménopause. Mais à travers le miracle de Mariam, il s'est ressaisi quand il a imploré Allah. Allah l'a répondu favorablement. Et c'est ce qu'Allah a dit, wa man yaknut min rahmati rabbik illa dolin. C'est pourquoi il va dire, ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfir dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Donc il est clair. Il dit, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, vous qui avez commis des gros péchés, des grands péchés, et dit, ne désespérez point à la miséricorde d'Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Alors ça c'est en tout, ma soeur. Tu as un besoin, soumets-le à Allah. Ce n'est pas une société qui en fabrique. On ne vend pas les enfants au marché. C'est Allah qui donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut.
Subhanallah. C'est Allah qui décide. Alors je vous le dis en vérité, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Le même Allah qui a opéré tous ces miracles dans le passé, c'est le même Allah qui existe. Il n'a point de début ni de fin. Celui qui était, c'est lui qui est et il sera toujours. Il ne change pas. C'est le même Allah. Celui qui a exaucé tous les prophètes, toutes les histoires que tu écoutes concernant les prophètes, donc toutes les histoires que tu écoutes concernant les grands miracles opérés dans ce monde par Allah le Créateur, c'est le même qui est là. Il n'a pas changé. Subhanallah. Ne désespère pas en sa miséricorde. C'est le degré de foi faible. C'est parce que nous avons trop de doutes. Notre croyance se limite que sur les lèvres. C'est ce qui fait que quand on implore Allah, Allah ne nous exauce pas très souvent. Mon frère, aie la foi ferme. Aie confiance en celui que tu invoques. Allah, il va t'exaucer. Et généralement, quand nous, on présente des situations à Allah, quand on commence à invoquer Allah, on le fait avec doute, comme je le dis tantôt. Ou souvent, on est plus concentré sur le problème qu'à Allah lui-même. Subhanallah. Au lieu de montrer à Allah que tu as d'aussi grands problèmes, pourquoi que c'est Allah qui est le plus grand? Je répète, au lieu de montrer à Allah que tu as le plus grand problème, pourquoi ne pas montrer à ton problème que c'est Allah qui est le plus grand? Regardez le ciel et la terre qui sont au-dessus de nous. Allah qui a soulevé le ciel et qui le maintient par sa puissance bi-amrihi au-dessus de nous. Le ciel qui ne tombe pas. Et vous ne voyez aucun pilier qui le maintient au-dessus de nous. Et il ne tombe pas. Qui le maintient? Regardez les cieux. Qui les maintient? Avec leur poids, leur lourdeur. Regardez les cieux. Aucun atam. Il peut dresser un apatam juste en haut de lui sans mettre des piliers. C'est impossible. Une toiture en haut de toi sans mettre des piliers, c'est impossible. Mais regardez le ciel, comme il est vaste et qui le maintient par sa puissance, c'est Allah. Allah qui maintient le ciel ainsi par sa puissance sans l'aide d'un seul pilier qui le maintient au-dessus de nous. Il a pu par sa puissance soulever le ciel et la terre malgré leur poids au-dessus de toi. C'est ton problème, mais il ne peut pas soulever au-dessus de toi. C'est ton problème là qu'il ne veut pas t'en. La khalqu as-samawati wal-ard kinas. Certes, Allah il le dit, c'est la création des cieux et de la terre qui ont été plus difficiles que la création de l'être humain. Si le ciel et la terre ont été créés plus difficilement que toi, c'est juste un petit problème qui t'accompagne là. Subhanallah. Allah chaque jour ne fait que faire de nouvelles œuvres. Allah ne fait que répondre à ses créatures chaque jour. Il ne fait que nous donner sa subsistance chaque jour. Allah ne fait que nous faire grâce chaque jour, même si nous ne sommes pas reconnaissants, même si nous ne sommes pas attentifs à tout cela. Subhanallah. L'air qu'Allah te donne, que tu respires là, c'est ce qui est plus important que tout ce que tu demandes là. Tu peux faire au moins une heure de temps sans boire, sans manger. Peux-tu faire deux minutes seulement sans respirer? Même 60 secondes, une minute. C'est tout un tas de problèmes, n'est-ce pas? Donc ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Et donc, Allah il dit, c'est ainsi que les anges ont interpellé Zacharie quand il était encore arrêté dans le sanctuaire. Et les anges lui ont apporté la bonne nouvelle de Seyyidina Yahya parce qu'il n'a pas désespéré en la miséricorde de son Seigneur. Il s'est ressaisi. Il a compris que même si sa femme avait dépassé la ménopause, c'est Allah seul qui pouvait lui donner un enfant. Rien ne lui est impossible. C'était le cas de mon homonyme Seyyidina Ibrahim alayhi salam. Plus de 80 et quelques années après, c'est là qu'Allah l'a exaucé en lui donnant un enfant, Seyyidina Ismaïl alayhi salam. Plus de 84 ans après. Sa femme était déjà vieille, dépassée la ménopause depuis longtemps. Seyyidina Ibrahim alayhi salam. Mais Allah lui a accordé Seyyidina Ismaïl alayhi salam. Donc le même Allah qui a fait, c'est le même Allah donc, qui va répondre à ton problème, qui va répondre à ton souci, qui va répondre à ta prière, qui va t'exaucer. Parce qu'il a dit à Oni, astajib lakum. Tant que toi tu as confiance en Allah et tu sais qu'il t'écoute attentivement, wallahi, et que tu as confiance que rien ne lui est impossible et qu'il va t'exaucer, wallahi, il t'exaucera. Parce que inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah ne manque jamais à ses promesses. Il a promis de t'exaucer, wallahi, il le fera. Alors nous sommes encore, comme je le disais dans les 10 derniers mois, jours du mois de Ramadan, c'est encore les jours qui sont les plus importants même que tout le mois de Ramadan. C'est divisé en trois grandes parties. La première partie était la première décade, les 10 premiers jours, qui était la décade de la miséricorde donc d'Allah, la bénédiction. La deuxième décade, c'est la décade donc du pardon. Et la troisième décade, c'est la partie la plus importante. C'est en elle que se trouve la nuit la plus importante qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du décret,
ou la nuit du destin, qui est mieux que 1000 mois d'adoration, subhanallah. Mais profites-en. C'est une nuit bénie. C'est la période où Allah exauce encore plus ses créatures dans le mois de Ramadan. C'est la meilleure de la partie du mois de Ramadan qui est là, subhanallah, les 10 dernières nuits. C'est là où les bonnes actions sont encore multipliées à l'infini, subhanallah. Alors, ton problème, présente-le à Allah. Que ce soit un problème d'enfant, demande, c'est Allah qui donne. Si ce soit un problème de travail, demande, c'est Allah qui donne. Un problème de foyer, demande, c'est Allah qui donne. Quel que soit ton souci, présente-le à Allah. C'est Allah qui résout le problème. Que ce soit un problème de santé, présente-le à Allah. Et il y a des gens qui pensent que cette nuit de Laylatul Qadr se trouve dans la nuit du 26 au lendemain, 27e jour du mois de Ramadan. Comme aujourd'hui, nuit vendredi, là, vous allez voir dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, hein, vous allez voir les gens sortir massivement aujourd'hui, aller dans les mosquées, hein, organiser les conférences, prier, pensant que c'est aujourd'hui la nuit du 27e jour. Donc la nuit du 27e, parce que demain c'est le 27e jour, donc sa nuit c'est aujourd'hui le 26. Cette nuit d'aujourd'hui c'est la nuit du 27. Mais en réalité, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça, mais ce n'est pas forcément cette nuit-là qui est forcément la nuit de Laylatul Qadr. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas indexé un seul jour pour dire voici ce jour-là qui est la nuit de Laylatul Qadr. Il a été rapporté dans les hadiths authentiques, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, avec la permission d'Allah, avait eu connaissance de la nuit de Laylatul Qadr, la date exacte, il était très content et il venait dans la mosquée venu donner l'information à ses sahaba. Et quand il est arrivé, il a trouvé que les sahaba étaient en bagarre. Et il s'est mis là donc à les séparer, etc. Et quand il a fini, Allah a voulu par sa miséricorde que le prophète oublie la date. Et il a dit à ses sahaba, il dit j'avais la connaissance du jour exact, de la date exacte de Laylatul Qadr. Je venais tout excité, très content de vous donner la bonne nouvelle. Je suis venu vous trouver en plein bagarre. Et après vous avoir séparé, Allah m'a enlevé cela. Allah m'a fait oublier ça. Mais c'est aussi une grâce d'Allah. Parce que si on nous avait montré une seule nuit, ce serait cette seule nuit-là qu'on allait cibler. Mais maintenant qu'elle a disparu entre les 10 dernières nuits, et le prophète a précisé chercher-la parmi les nuits impaires, donc cela nous pousse à adorer Allah durant les 10 dernières nuits. Et cela nous donne encore plus de mérite. Et ça, c'est encore une autre miséricorde d'Allah. Le fait que nous la cherchions. En la cherchant, ça te pousse à faire des efforts dans la prière, dans les doigts, dans la lecture coranique, etc. Hein, dans la zakat, dans la charité, etc. Ça te pousse à faire des efforts pendant 10 jours. Et cela, c'est encore plus méritoire que si c'était un seul jour qu'on avait ciblé. Non seulement dans les 10 jours, on est sûr d'avoir vu, si on a veillé, donc dans l'adoration, dans les bonnes actions, on est sûr d'avoir eu non seulement Laylatul Qadr, et aussi on est sûr d'avoir prié pendant 9 autres nuits, donc qui font 10 nuits, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Donc, c'est une miséricorde d'Allah pour nous. Inch'Allah. Donc, chacun peut présenter ses problèmes à Allah, et sachez que Allah, il est là, il tient à ses promesses, et Allah nous exaucera. Et le problème, c'est que toi, Allah n'est pas ton serviteur, ni ton enfant, ni ton envoyé, ni ton employé. Parce que quand on emploie Allah, nous, on veut lui donner des ordres. Allah, moi je veux ça aujourd'hui à 13h, il faut me donner ça à 13h. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Présente ton souci à Allah. C'est Allah qui sait quand, comment est le bon moment pour te répondre, Inch'Allah. Il sait ce qui est bon pour toi et toi-même tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Donc, il continue au verset 40 en disant, Qala Rabbi. Et quand les anges vont maintenant lui donner la bonne nouvelle, quand les anges vont répondre à Sayyidina Zakaria en lui disant qu'Allah t'a promis de te donner un fils pur, qui est Sayyidina Yahya, etc., etc. Qala Rabbi Zakaria. Donc il va maintenant dire, oh Seigneur, Anna yakunu li ghulamun. Et dit, puis-je moi, pourrais-je avoir un enfant? Moi, mon Seigneur, Allah, pourrais-je avoir un enfant? Moi, Zakaria. En fait, il n'est pas en train de remettre ici en cause la capacité d'Allah de pouvoir lui donner un enfant. Mais vous savez, quand désespérément, tu étais là depuis où tu ne pensais plus avoir quelque chose et un miracle s'est passé, comme le miracle de Mariam qui a poussé Zacharie à aller vers Allah, qui a eu confiance à son Seigneur, qui a imploré son Seigneur, et maintenant la bonne nouvelle est tombée. Vous savez, la joie avait tellement débordé. C'est comme ça. Tu es tellement étonné
et que tu poses la question, est-ce que ça réellement c'est pour moi? Est-ce que réellement ça c'est pour moi? Tu vois, quand tu t'attends pas à quelque chose et puis on vient t'offrir ça comme ça, tu te poses la question, est-ce que réellement ça c'est pour moi en fait? Tu vois, non? Donc l'étonnement, etc. Et dit, puis-je avoir un enfant? Alors que je suis très vieux, je suis avancé en âge. Et ma femme aussi, elle est très vieille, elle a dépassé la ménopause depuis longtemps. Et encore, il sera répondu, c'est ainsi, Zacharia, Allah fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut. Et sa volonté s'accomplit toujours. C'est Allah qui te donnera à toi, le vieux, et à ta femme, la vieille, qui a dépassé la ménopause depuis longtemps. Allah qui vous donnera cet enfant. C'est Allah qui fait ce qu'il veut et sa volonté s'accomplit toujours. Rien ne lui est impossible. Qala Rabbi, Zacharia qui va encore dire à son Seigneur, Ija'alli aya. Alors Allah, mon Seigneur, je veux un signe. Donne-moi un signe. Qala. Et Allah il va répondre à Zacharia alayhi salam. Ayatuka Allah tukallima an-nasa thalathata ayyam. Et dit, tu ne pourras parler aux êtres humains pendant 3 jours, tu ne pourras adresser la parole à aucun être humain. Pendant 3 jours. Donc ici, on appelle ça le jeûne de la parole. Très souvent dans la tradition des juifs, comme certains savants le disent, le jeûne de la parole. C'est-à-dire, Allah il lui demande pendant 3 jours de ne pas adresser la parole aux êtres humains. D'aucuns disent que ce n'est même pas lui-même sa volonté de vouloir ou pas, mais c'est Allah même qui allait lui arracher l'usage de la parole pendant 3 jours. D'aucuns disent non, c'est pas qu'Allah lui arracherait l'usage, non. Il avait la possibilité de parler certainement, mais Allah lui a interdit pendant 3 jours d'adresser la parole aux êtres humains. Il l'a sauf Ramzan que par les gestes. Donc, il doit gesticuler pendant 3 jours. C'est par les gestes qu'il va communiquer avec les êtres humains, mais il ne doit pas ouvrir sa bouche pour parler à quelqu'un verbalement, donc de façon audible, etc. Non, mais il doit communiquer avec les gens. Donc par les gestes, il va gesticuler pendant 3 jours dans sa communication avec les êtres humains. Donc il la Ramzan, c'est ce que cela veut dire. Wazkur Rabbek. Et Allah il va lui dire, maintenant continue, invoque ton Seigneur. Wazkur Rabbek, invoque ton Seigneur et Kathiran, invoque-le. Il dit Kathiran, ça dit invoque-le beaucoup en fait. Ici, Kathiran, pas quelques moments, hein, à tout moment, donc beaucoup de fois, donc sois assidu dans la glorification de ton Seigneur, invoque-le beaucoup durant ces 3 jours. Et il ne s'arrête pas là, wasabihi, donc et glorifie-le assez également, bilrashiyi, le soir, wal ibkair, et à la pointe de l'aurore. Donc, invoque-le, glorifie-le assez, Kathiran. Bil Ashiyi, le soir, Wal Ibkair, et le matin, à l'aurore. Donc cela voudrait dire effectivement qu'il avait l'usage de la parole, mais seulement c'est Allah qui lui interdisait d'adresser la parole aux êtres humains, que seulement de communiquer avec eux par les gestes. Parce que pourquoi? Allah il dit, Waskur Rabbek. S'il n'avait pas l'usage de la parole, Allah n'allait pas lui dire, invoque ton Seigneur. Puisque c'est avec la bouche, c'est avec la langue qu'il allait invoquer son Seigneur. Donc naturellement il avait l'usage de la parole, mais Allah lui a demandé, le signe que je te donnerai, c'est que tu n'adresseras pas la parole aux êtres humains pendant 3 jours que par les gestes, et invoque ton Seigneur. Tu vois, malgré que Allah a décidé de l'exaucer, mais Allah lui dit de continuer à implorer son Seigneur et à le glorifier soir et matin, malgré qu'il ait été exaucé. Mais nous c'est comme ça. Le problème c'est que quand nous on a un souci, on vient s'asseoir sur la natte, on demande à Allah. Dès que Allah nous donne une petite porte de sortie, on a déjà oublié Dieu. C'est fini. On l'a déjà oublié et l'être humain est ingrat envers son Seigneur. Nous ne sommes pas reconnaissants envers Allah. C'est quand on a un autre problème qu'on court encore pour nous sur la natte à prière. On vient glorifier Dieu, l'invoquer, l'implorer, lui parler de sa grandeur. Seigneur, c'est toi seul, tu peux m'aider, etc. Dès qu'il résout le problème un peu net, c'est fini. On l'a déjà oublié encore également. Ce n'est pas comme ça le véritable croyant. Il doit être reconnaissant envers Allah. Washkuruli wala takfuruni. Soyez reconnaissant envers moi, Allah, et ne soyez pas mécréants. Donc, ne soyez pas ingrats. Allah dit, wa iz qalatil malaikatu ya Maryam.
Donc ici, il laisse un peu l'histoire de Zacharia et il commence maintenant avec l'histoire de Sayyidatou Maryam. Parce que Zacharia a été exaucé, alhamdoulilah. Et le reste de l'histoire se trouve dans la sourate Junef, sourate Maryam. Mais Inch'Allah, on va y arriver avec le temps. Donc il dit ici au verset 42, « Wa idh qalat al-mala'ikatu ya Maryam » Il dit, « Et lorsque les anges disent, oh Marie » Donc, parlant de Myriam, la mère de Sayyidina Isa alayhi salam, la fille de Anna et de Imran. Donc, lorsque les anges lui disent à Maryam, Inna Allah astofaki, Allah certes t'a préféré, t'a choisi, wa tohharaki, et t'a purifié, wa astofaki, il t'a préféré et choisi à la Nisa il Alamin, à toutes les femmes de l'univers. Waouh, subhanallah. Vous voyez la grâce d'Allah. Vous voyez la grandeur. Vous voyez, ça dit que le bien qu'Allah a accordé à cette femme, Sayyidatou Maryam, dont le nom a été utilisé pour identifier un chapitre complet du Coran, le chapitre 19, Sayyidatou Maryam. Allah l'a tellement grandi, élevé, au point où Allah dit dans ce verset, lorsque les anges disent, oh Maryam, Inna Allah astofaki, Allah t'a préféré, t'a choisi. Ça c'était déjà suffisant. Allah il t'aime, il te préfère, il te choisit, toi un être humain. C'est déjà largement suffisant le fait qu'Allah il te choisit. Subhanallah. Mais il ne s'est pas arrêté là. Hein? Et il continue. Non seulement Allah il t'a préféré, il t'a choisi. Mais on dit quoi? Wataharaki. Et Allah t'a ensuite purifié. Et cette purification, non seulement un, il t'a purifié de tout ce qui est acte immoraux et désavouable. Allah l'a purifié de tout ce qui est tentation du diable, de tout ce qui est égarement, de tout ce qui est péché. Que ce soit les petits péchés comme les grands péchés. N'est-ce pas? Allah l'a purifié du mensonge. Allah l'a purifié du vol. Allah l'a purifié du meurtre. Allah l'a purifié de l'associationnisme. Allah l'a purifié de l'adultère. Allah l'a purifié de la fornication. Allah l'a purifié des calomnies. Allah l'a purifié de tout ce que vous pouvez imaginer comme péché, subhanallah. Vous voyez? Allah l'a purifié de tout ça. Et il y a des savants qui sont allés, même si c'est une minorité, et même c'est à sujet de discussion entre les savants, mais il y a des savants qui sont allés jusqu'à dire, Allah l'a purifié de telle sorte que elle n'a jamais connu ce qu'on appelle la menstruation, subhanallah, de toute sa vie. Elle n'a pas connu ça. Mais par la permission d'Allah, elle a pu avoir et concevoir un enfant miraculeusement, sans l'intervention également d'un gamète mâle. Parce que nous connaissons le cycle de la menstruation chez la femme. Une femme qui n'a pas ça ne peut pas concevoir un enfant, n'est-ce pas? Mais alors que Maryam n'avait pas besoin de l'intervention d'un gamète mâle, Allah a voulu qu'elle puisse enfanter, mais de façon miraculeuse. Donc elle, de toute sa vie, elle n'a pas connu ce qu'on appelle la menstruation. Puisque lorsque sa mère Anna avait pris l'intention de la donner à Allah, de vouer cet enfant à Allah, servir Allah dans le temple, et que quand l'enfant est né, qu'elle a trouvé que c'était une fille, elle a dit quoi? « Inni wadu'atuha untha » J'ai mis au monde une fille. Donc, et Allah a répondu, Allah sait certes ce que tu as mis au monde, puisque c'est moi que j'ai placé en ton sein. Je sais certes que c'est une fille que tu as mise au monde. Mais le verset coranique a continué en disant quoi? Walaysa zakarukal unsa. Mais la femme et l'homme ne sont pas pareils. Parce que la femme ne peut pas adorer Allah continuellement. Il va arriver un moment à cause de ses menstruations, elle va être obligée de s'éloigner du temple, de sortir du temple complètement. Alors que cette fille-là, sa mère voulait qu'elle soit consacrée au service du temple continuellement. Et donc, d'aucuns des savants disent que c'est pourquoi, quand bien même qu'elle a été une fille, Allah a voulu qu'elle ne vive pas ces histoires de menstruation, etc., que les femmes vivent aujourd'hui. Donc, Allah l'a purifiée de toutes ces impuretés-là. Et Allah, il ne s'est pas arrêté là de tous ces privilèges. Allah ne s'est pas toujours arrêté là. Il a continué encore à la privilégier, à lui faire grâce en disant quoi? Wa astofaki. Allah l'a encore préféré, l'a choisi et l'a élevé à la Nisa et à la mine au-dessus de toutes les femmes de l'univers. Subhanallah. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des savants qui sont allés jusqu'à dire
que Sayyidatou Mariam a été élevée par Allah à un degré au point où elle est arrivée au degré même des nabis, des prophètes. Mais comme Allah ne fait pas de femme prophète, n'envoie pas de femme prophète, c'est pourquoi elle n'a pas eu ce titre. Mais elle a été préférée et élevée au point d'atteindre le niveau des prophètes, subhanallah. Mais c'est parce qu'elle a été une femme qu'elle n'a pas été mandatée et envoyée comme prophète à un peuple. Mais, dans tout ça, Allah lui a fait sortir d'elle, Sayyidina Isa qui a été prophète. Donc, ça, c'est Sayyidatou Mariam. C'est pourquoi je disais tantôt, la femme dans le foyer peut jamais être égale de l'homme. Mais dans la spiritualité et dans la société, là, il n'y a pas de problème. Si on peut dire, parler d'égalité entre femme et l'homme, dans nos administrations, dans notre société, dans notre monde moderne aujourd'hui, au niveau de l'emploi, etc. et tout, la femme occupe aujourd'hui des fonctions même que l'homme n'occupe pas. On a vu des présidentes comme les Hélène Jenson Sirleaf, etc., des femmes présidentes dans le monde, etc., des femmes ministres, premiers ministres, etc., un peu partout. Il y a des hommes qui n'ont même pas eu peut-être même ce titre. J'ai trouvé qu'une femme est ministre, son mari même n'est même pas maire, ni député même. Il n'est même pas peut-être directeur d'une simple entreprise, n'est-ce pas? Cela peut arriver. Donc ça, c'est des choses, il n'y a pas de problème. Et spirituellement, c'est la même chose. Il y a des femmes qui peuvent atteindre un niveau dans la spiritualité qu'un homme ne peut pas avoir. C'est comme moi, comme ça, Ibrahim. Vous pensez qu'avec l'éloge qu'Allah vient de faire de Sayyidatou Mariam, moi je peux me comparer à elle, quand bien même que c'est une femme, la mère de Sayyidina Isa, moi, quel que soit mon degré de spiritualité, je peux me comparer à elle. Est-ce qu'il y a un seul verset coranique me concernant? Mais Allah il dit qu'il l'a mis au-dessus de toutes les femmes du monde. Mais vous voyez que Allah, pour montrer ici que la femme et l'homme, quelque part, la femme sera toujours soumise à l'homme. Vous voyez, il a dit « Wa astofa ki alanissa il alamin » et je t'ai élevé au-dessus de toutes les femmes du monde. Allah n'a pas dit au-dessus de tous les êtres humains de l'univers. S'il avait inclus les hommes, ce qui veut dire qu'il était au-dessus même du prophète Mohammed a.s. Non, Allah il s'est fait la différence des choses. C'est au-dessus de toutes les femmes du monde et non de tous les êtres humains. Parce que le prophète Mohammed était plus grand qu'elle. N'est-ce pas? Et donc, elle ne peut pas être au-dessus de tous les prophètes. Non. Et Allah il pèse bien les mots. Donc ici je répète encore, dans la spiritualité il y a des femmes qui adorent Dieu même que leur mari. Elle peut être élevée même dans la spiritualité. Vous voyez la femme de Pharaon comme ça quand elle mourait, jusqu'à égarer son degré de foi. Pendant qu'elle meurt, son mari est en train de la tuer avec une mort atroce. Pharaon est en train de la torturer pendant qu'elle est en train de mourir juste parce qu'elle a testé d'adorer le Dieu de Moïse. L'éternel Allah, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Pharaon était en train de la torturer, la tuer. Pendant qu'elle mourait dans les douleurs de la mort, pendant qu'elle était en train de trépasser dans les douleurs, dans l'atrocité, de la souffrance atroce, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle dit, « Oh Seigneur, je veux que tu me bâtis une maison dans mon paradis, dessus de là, avant ma mort, subhanallah. » Et à cette désir, Allah l'exauce. Sur le champ, ça dit, elle demande à ce qu'Allah puisse bâtir une demeure dans le paradis pour elle. Allah il dit, dès que ton âme tombe net là, ta demeure est déjà là. Kun fayakun. Tu es exaucé. Ça c'est une femme. Mais combien de jeunes musulmans aujourd'hui, d'hommes musulmans peuvent demander ça et puis vont avoir ça? Toi tu ne sais même pas si, tu es musulman certes, tu ne sais même pas si ton paradis est garanti. À plus forte raison, demander à ce qu'on bâtit une maison dedans, de suite là pour toi. Ouais. Donc spirituellement, il y a des femmes qui peuvent dépasser même des hommes. Mais je dis bien, je répète comme la dernière fois, dans le foyer, ma soeur musulmane, quel que soit ton rang dans la spiritualité, quelle que soit ta connaissance, pardon, il ne faut jamais te voir au-dessus de ton mari. Il ne faut jamais t'espérer au-dessus de ton mari. Si une femme sur cette terre devait taper sa poitrine avec son ascendance, avec sa lignée, son sang, ça dit... Être fière, dit qu'elle peut se placer au-dessus de son mari là. Ça allait être la fille du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Fatima Zahara. Elle allait se sentir plus grande que son mari Sayyidina Ali. Elle allait se sentir en fait au-dessus de son mari. Parce que son père était le prophète, la meilleure des créatures. Le plus grand de tous les prophètes. Muhammad alayhi salatu wassalam, sa fille. Et pas n'importe quelle fille, sa bien-aimée, celle qui l'a chérie. Fatma Zahra, mais elle était soumise à son mari. Subhanallah, elle ne lui a jamais manqué de respect, ne serait-ce qu'un seul jour.
Mais aujourd'hui, ma soeur, qui va te mentir, qui va te blaguer? Maintenant, si vous pensez que la femme et l'homme sont même chose dans le foyer, l'homme et la femme sont égaux, ok. Considérons qu'on vous concède ça. Mais vous ne devez plus vous lever ici pour voter des lois contre hein, le fait qu'il y a des femmes battues, etc. Non. C'est qu'il ne faut plus parler de femmes battues dans le foyer. Parce que si vous êtes égaux, vous et les hommes dans le foyer, il n'y a plus de femmes battues. C'est que c'est femme qui a perdu la bataille qui existe, mais il n'y a plus de femmes battues. Parce que toi et ton mari, vous êtes égaux, non? Donc quand il te frappe là, tu n'es pas battu, hein, tu as juste perdu ta bataille. N'est-ce pas? C'est fini. On met les choses dans leur contexte alors. Parce que vous êtes deux hommes, n'est-ce pas? Je ne suis pas deux capitaines d'un bateau. La femme doit se soumettre à son homme. C'est ça la loi de la nature. Et c'est ça la justice. Et c'est ça l'équité. C'est ce qui est normal. Donc, Allah, il a placé Sayyidatou Mariam au-dessus de toutes les femmes du monde. Et il dit, Ya Mariam, il dit, Ho Mariam, Iknouti le Rabbiki. Il dit, sois une fervente adoratrice, servante de ton Seigneur. Implore-le, adore-le constamment. Soumets-toi entièrement à sa volonté. Sois une fervente adoratrice de ton Créateur. Iknouti le Rabbiki. Wasjoudi, prosterne-toi. Et fais la genouflexion, incline-toi en d'autres termes, ma'arakirin, avec ceux qui font la genouflexion. Incline-toi avec ceux qui s'inclinent, prosterne-toi avec ceux qui se prosternent. Adore Allah constamment, sois une fervente adoratrice de ton Seigneur. Et continue en disant, Zalik min amba il ghaibi. Parlant à son prophète Mohammed, il dit, « Oh mon serviteur, oh mon prophète Mohammed, c'est ainsi que nous te révélons des récits tirés du mystère. Ces histoires sont tirées du mystère. » Parce qu'au moment où le prophète Mohammed vivait, Sayyidatou Mariam n'existait plus. Son fils Issa n'existait plus. Zacharia n'existait plus. Ils étaient tous passés. Le prophète est venu 600 ans, c'est-à-dire 6 siècles après le prophète Issa alayhi salam. Donc, il ne vivait pas en ce moment-là. Mais Allah, il dit quoi? Toutes ces histoires que je suis en train de te raconter à toi, Mohammed, tu n'existais pas physiquement sur la terre ici, au moment où Issa et Zacharia, sa mère, etc., vivaient sur la terre. Mais toutes ces choses que nous sommes en train de te raconter là, il dit, « Zalik min anba il ghaibi », toutes ces histoires relèvent du mystère de notre part. « Nuhihi ilayka », que nous te révélons. C'est nous qui te révélons ces mystères-là de notre part. Wama kunta ladayhim. Et tu n'étais non plus pas présent parmi eux. Iz yulkuna aqlamahum. Et lorsqu'ils jetaient entre eux, donc ces morceaux de bois, de bâton qu'ils jetaient entre eux, et tiraient au sort, ayyuhum yakufulu Mariama, pour savoir entre eux qui serait chargé de la garde de Sayyidatou Mariam. Donc, Wama kunta ladayhim iz yahtasimuna, et tu n'étais non plus pas parmi eux lorsqu'ils discutaient à son sujet. En fait, parce que pour savoir celui qui allait se charger de la garde de Sayyidatou Mariam, il y avait Zacharia et d'autres prêtres du temple et d'autres personnes qui étaient engagés à chacun voulait donc être gardien donc de la petite Sayyidatou Mariam, etc. Et en ce moment, comme il y avait une grande dispute donc au sujet de la garde. Donc, il fallait jeter maintenant, tirer au sort, disons, pour voir qui allait pouvoir donc être choisi pour la garde de Mariam. Et le signe, ils sont tombés d'accord de tirer au sort. Donc, il y avait des morceaux de bâton qu'ils avaient. Ils ont décidé de jeter ces bâtons-là dans l'eau pour voir celui dont le bâton allait partir à contre-courant donc de l'eau. C'est celui-là qui serait chargé donc de la garde de Sayyidatou Mariam. Et après avoir tiré au sort, c'est Zacharia qui a gagné, donc qui a été celui qui a été chargé à sa garde. Et c'est cette histoire-là que Allah raconte ici au prophète en lui disant, tu n'étais pas là et c'est nous qui te contons ces histoires qui relèvent du mystère. Et c'est nous qui te racontons ces histoires, quand bien même que tu n'étais pas présent parmi eux, lorsqu'ils tiraient au sort pour savoir qui allait garder Mariam. Et lorsqu'il discutait à son sujet. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah, et continuer prochainement, chers frères et sœurs.
Et comme d'habitude, nous allons continuer à vous interpeller par rapport à la participation à la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Vous voyez, la construction du complexe islamique et non du complexe d'Oustaz Diané et non du complexe d'Ismaël Aka et non du complexe d'Oustaz Ouattara, mais du complexe islamique. Et quand on parle d'islamique, c'est déjà la propriété donc d'Allah et c'est un combat pour tous les musulmans et non pour la DDS seule. C'est un bien islamique, c'est une mosquée pour l'islam, c'est un centre pour l'islam, pour tous les convertis que nous construisons. Et donc nous demandons à tous les musulmans de se sentir responsables. Et donc toutefois que ce message arrive à toi mon frère et ma soeur, sache que tu es responsable et ta responsabilité doit te pousser à participer, que ta participation soit à hauteur de 500 francs, de 1000 francs, de 5000, de 10000, de 100000, d'un million, ou même tu peux construire le centre, alors fais-le, c'est pour la cause d'Allah et tu en seras récompensé auprès de ton Seigneur. Allah n'a pour le bien comme le bien pour salaire également. Donc pour le bien, c'est le bien qui est comme salaire en retour. Et Allah, il multiplie le salaire du bienfaiteur à l'infini. Donc Allah, dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, qui sont plus beaucoup, t'ouvre encore la porte. Si ce message t'atteint, c'est que Allah veut que tu participes, c'est que Allah veut te pardonner par ce acte, c'est que Allah veut t'honorer par ce acte. Alors participe à la construction donc du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de votre aide. Et cette aide que nous vous demandons là, ce n'est pas pour nous un truc personnel. Comme je le dis, c'est pour la communauté musulmane. Participer, c'est pour notre salut à nous tous. Vous félicitez toujours la DDR, nous sommes fiers. Mais nous ne voulons pas que ce soit juste des félicitations tout simplement. Mais associez-vous à la DDR pour continuer à œuvrer et à donc brandir le drapeau de l'islam donc en haut. Et pour contribuer, vous avez le plus 225, le 07 47 32 04 55 qui est Orange Money et Wave. Le plus 225, le 07 47 32 04 55. On a le plus 225, le 05 05 40 86 85. On a le plus 225, le 05 05 40 86 85. Et le plus 225, le 01 43 66 33 44. Le 01 43 66 33 44 qui est Move Money Flows. Pour ceux qui veulent le contact du laboratoire Oustaz Ouattara Ibrahim, vous avez le plus 225, moi-même mon propre numéro, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.